Bonjour et bienvenue, on est reparti pour rentrer chez nous. On doit retrouver Strom Cap. Donc, on est parti. Donc ça y est, on n'a plus le problème de poids. Là on a fouillé. La dernière fois on a fait une erreur et tout ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut... C'est quoi ça? Alors, est-ce qu'on peut descendre? Alors, je vais voir comment... Est-ce qu'on peut utiliser ça? Parce que ça, la description, c'est... En faisant la roche, le piton permet d'accrocher une corde et de descendre des hauteurs escarpées. Ah, placer. Placer le piton à proximité d'une falaise. Ah, ok, on voit le... On voit la corde. Hop. Oh, yes, ça tue. Est-ce qu'on peut remonter? Ou pas? Je m'étonnerais. Hein. Ah, si. Ça pète et ça reste. Et ça reste. C'est super. Alors par contre, je voudrais aller là-bas pour acheter des chaînes. Parce que... Oh la vache. Ah, on les a... Bon, c'est ça, c'est des petits sanglés. On les a pas surpris. Ouais, je voudrais acheter des chaînes. Pour faire des prisonniers. 4, 3, on a 2. On peut se mettre 3 là. Ah. Il y a elle. Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup à placer hein, maintenant. Ça fait beaucoup à placer. On est au max. Ouais, on vient juste de dormir et tout ça, de manger. Mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, parce que le truc aussi, c'est de. Il faut quand même pouvoir les utiliser. Parce que si on fait rien. Jusqu'au prochain repas, bah ce sera vu du gâché en fait, tout simplement. Donc autant faire quelque chose. Ok. Là. Ok, nickel. 17, très bien. Boum. Merde. C'était pas vraiment prévu comme ça, mais... Je peux me mettre là et toucher les deux avec la lance. Nickel. Toi t'es pas engagé, on se recule. Et boum! Faut que je fasse gaffe au piège. Là
qu'il me reste tous les gens de l'autre côté. Ça va. Ah, on va pouvoir soigner à la ville aussi. J'avais oublié ça. Les pitons, c'est vachement pratique, hein, par contre. Le fait de pouvoir descendre en rappel. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Alors. Voilà, nickel. Oh, le cheval, fait tout trembler. Tout le monde est loin. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Tout le monde est loin. Tiens, voilà, c'est à prendre. Sans critique. Je pense que c'est très potable. En plus c'est bien parce que nous on a des lanciers et tout ça, donc on peut, et on a le voleur aussi, on peut les faire désengager en fait, parce que là elle est engagée, donc on peut la faire désengager en fait un peu quand on veut, donc ça c'est bien. Alors, ouais, on est plein. Tout réparé, non. Alors, on va virer les carcasses, par contre. Attendez. Ouais, non, on va pas manger encore. Donc, les carcasses, c'est ciao. Ouais, on est bien. Alors, fais voir un peu. Trois prisonniers. Alors, livrer un prisonnier. Oui, mais on n'a pas de prisonnier. Ah, tu veux dire le lait, la dominante, on peut la virer, on peut la faire prisonnière. Alors, des chaînes. Ça fait cher quand même, les chaînes. Putain. Alors, ça, on peut vendre des trucs. Ça, ça. Ça. Il faut de la corde aussi, un peu de corde. À la hache pour le moment, encore une fois, je dis je la garde, mais. On a ça aussi, on peut le vendre. Donc. Une chaîne. Deux chaînes? Une ou deux? Donc 14, on doit payer 125. Ah, c'est bon. Un épéiste.
Non, c'est bon, on se casse. Il y a de la pêche. Non, pas de pêche. Dans la loi. C'est des réfugiés. On peut se les faire. Le truc, c'est qu'après, ils ont des torches et tout. C'est relou, les torches. Il y a l'écurie aussi d'acheter un cheval à 180. Est-ce qu'on le fait, ça, de prendre un deuxième cheval? 180. Il va nous rester 40. On va se faire payer 200. Ça ferait dans les 240, enfin un peu plus, mais 240. Après, on a 125 à payer par-dessus. Ah, ça peut, hein. On peut le faire. On n'a pas vraiment beaucoup de nourriture à payer pour le moment. Confiant. Travailleur, genre il gagne de... Ah, ça n'a aucun sens. Il gagne de l'expérience pour les métiers. Sol réduite, ça aussi ça a aucun sens. De plus. Bah entre des traits débiles et des pas de traits du tout, c'est pas mal. Enfin c'est plus, pas moins. Volonté augmentée de 2. Bah à la limite, on prend lui. Hein. Je pense. Ça nous ferait 2 poneys de. Un poney de guerre et un poney de trait, on va dire. Je pense que ça peut être pas mal. Pour transporter. Je regrette un peu de l'avoir mis en combat. Je regrette un peu. Mais peut-être qu'après il va être intéressant, j'en sais rien, je sais pas. Bah comme ça dans un sens, si lui il meurt au combat, parce que maintenant il combat, on en a un deuxième à la limite. Moi je le vois comme ça en fait. On n'a qu'à prendre celui-là. Ils sont tous niveau 2. Ouais. Il semble vous supplier de l'emmener avec vous. Ok. Ça marche. Prochain votre trou, compagnon se demande juste pourquoi. Par pitié, équipez un nouveau compagnon accepté. Obtenu fer à cheval. Alors, fais voir déjà un niveau. Volonté 2. Très bien. Lui, on lui mettra augmente le transport. Alors, attends, toi, tu m'as mis. Vitesse de déplacement dans les montes, dans le monde augmente de 3%. Ça marche. Ah, ouais, du coup. Bon, après, pour l'instant, on n'a pas besoin d'une sacoche en plus. On n'a pas besoin d'une sacoche en plus. Tiens, ça a réduit à 4 jours maintenant. Ouais, on est à 46. Ok, ça c'est fait. J'étais en train de me demander, l'écurie, est-ce que si on la vole, est-ce qu'on va être... Je vais voir un peu. Ah, il faut du bois aussi pour qu'on puisse... faire le coffre. On peut prendre ça, voler.
Alors, vous pouvez voler cet objet avec ça. Chaque vol augmente les soupçons de la garde de votre rencontre. Maintenant, ils nous recherchent pas. Vous n'êtes pas recherché par les gardes. Ok. Après, le reste, on n'a pas besoin. Mais le blé, c'est bien, ça nous permet de faire du pain. Et du coup, là, on a des objets volés. Donc, il faut les faire blanchir. Ou alors les utiliser. Bah, tiens, on peut les utiliser directement, je crois. Attends, on a du sel. On a du sel. On n'a pas de sel. On va acheter du sel. Il faut absolument... Désolé, on fait encore le camp. Il faut absolument faire... Alors, le lutrin, il faut plein de bois en fait. Le lutrin et le coffre. Coffre de camp. Ouais. Faut qu'on cherche du bois ou faut qu'on en achète. Je sais pas. Le bois c'est commun quand même, donc on devrait se débrouiller. Mais il faudrait pouvoir en couper en fait. Je comprends pas pourquoi on peut pas en couper. De toute façon, on n'a pas le job et on nous faut quelqu'un. On m'embête. On a l'air con de pas pouvoir couper de bois en fait. Alors, réparer. Ça. Matériaux de réparation, repart. Bon, là, on a la restauration. On a déjà apprise. On va aller empocher notre prime déjà. Ouais, je suis juste un peu surpris du bûcheron là. J'ai peut-être loupé un truc en fait. Voilà, nickel. Facile, difficile, facile. Ouh. Alors, repère des brigands, mine des écrins, lieu dangereux depuis les déserteurs qui sont emparés, qu'on tente de les déloger. Et la garde persuadée que les truands se terrent à repère des brigands. Ils offrent une belle récompense à ceux qui détruiront cet endroit. Ok. Ah ouais, elle fait une contre... En fait, on a augmenté un tout petit peu, mais on n'a pas eu ce qu'on avait. Ok, d'accord, ça marche. Ok, c'est là. Du coup, on peut faire 80%. Ah putain, la contre-offre. Ouais, ça fait un peu de la merde. J'aurais dû faire à 100%, en fait. C'est pas grave, ce n'est point grave, c'est fait. On a 200, bientôt on va devoir payer 125, ça va. Ah, il nous faut de l'argent, il nous faut vraiment de l'argent. Il faut un peu de sel. Alors, toi. Alors, on fait le pain. Donc, du coup, on a utilisé le blé. C'est très bien. Du porc. On a encore un brochet à faire.
Raisin et mouton. Faut du bois, faut du bois. Est-ce qu'il vend du mouton? Ouais, lui il en vend. On peut faire du mouton et on trouve après du raisin et on peut faire un truc. Mais bon, pour le moment ça va. Faut qu'on aille se soigner. Putain, j'ai peut-être un peu trop utilisé de. Alors, 40. Ça va. Ok. Bon, par contre, on n'a pas assez pour les remèdes. Après, on a plein de trucs. On peut toujours vendre des choses. Hein. On peut vendre genre le collier. Dégâts augmentés à 5, de 5% si non adjacent à un allié au combat. Non adjacent à un allié au combat. Ah, on peut mettre ça sur. Sur l'allée dominante. Genre si elle fait tout le temps du critique. Avec ça en plus. Et sur toi, on met. Parce que 3% de vitesse, c'est pas top en fait. Et sur toi, on met la sacoche. Peut être pas mal. Ok, donc il nous faut bûcheron et alchimiste en fait. Ça m'en. Ça m'interpelle en fait de pas pouvoir faire du bûcheron. Bûcheron, ça devrait être comme, je sais pas, la forge, un truc tout con quoi. Là, ça utilise du bois tout le temps. Là, on en a pas besoin. Ok, on se casse. On peut vendre. Je crois, genre ce qu'on construit, non? J'imagine. Alors, qui sont les. Là et là. Ça marche. On peut partir par là. Chercher du bois en même temps. Ça marche. Soldat versé! Quoi ça? Des brigands? Ah, on peut aller peut-être pêcher là. Nickel. Un truc que je voulais faire, c'est des pitons. Par contre, il nous faut plus de cordes parce que on a vu que l'autre, il fallait trois cordes pour attacher le machin. Alors, brochet. Nickel. Est-ce que on essaye d'économiser de la bouffe? Ouais, vu qu'on est loin encore. On peut se mettre comme ça. Vas-y, on va manger. Donc on a plus un. Alors, verser. On est à raid raid, hein. Ça y est quoi. Ah, ça fait plus 4. Okay. Plus 1. Bon, ben ça va.
Parfait. Ça m'étonnerait qu'on puisse repêcher, mais... On va voir. Yes, on peut, ok, ça marche. Pêcheur apprenti, yeah, let's go. Genre plus j'envoie loin et mieux c'est ou pas? On peut envoyer mais. Alors qu'est-ce qu'on a? Quoi encore? Des anguilles. Du charbon. De la graisse. Donc du coup, elle est... Pêcheur de... C'est quoi? Critique 2%, volonté plus 1. Peut pêcher dans les cabanes de pêche. Ah mais attends, c'est eux dont tu parles. Oh là là. Par contre, il n'y a plus de bois de nulle part en fait. Faut vraiment que je trouve le quelqu'un en fait. Faut qu'on rajoute quelqu'un dans notre groupe. Ok, non, là ça a l'air d'être plus facile maintenant. Allez, go. Ah, solitude. Alors, ok, vous êtes encerclé, c'est pas mal. Et après, on en a trois ici. C'est quoi ça? Éboulement? Éboulement, ok. Alors, Kiri, on peut se mettre là, tracer et garder genre le pillard là, là dans l'éboulement, peut-être. Peut-être que l'archer, même l'archer va peut-être ne pas bouger en fait. C'est possible. Alors là. Le cheval, il faut lui mettre de la défense. On va le laisser en arrière. Toi, tu restes avec les animaux. On va peut-être essayer de faire cela d'abord et après eux ils vont aller, ils vont passer le temps en fait sur les animaux surtout. Avec l'archère elle va rester avec eux. On a quoi là? On a... Donc, c'est quoi ça? Flèche incendiaire. Oh ok. C'est un peu abusé. On a un casse-couille avec ses haches. Ok, ah, ils ont l'air relous. Hein. Alors, on peut la mettre là, l'archère. Je sais pas. Non, ça a l'air bien là.
que toi, c'est le tour prochain des boutons sur ça, ça me désengage. Ok, ça marche. Ok. On va voir si l'éboulement touche ou pas. Parce que là, la case, elle est dedans. J'en sais rien, en fait, si ça touche. Honnêtement. Moi, je serais pour utiliser le lancier pour la repousser, quand même. Que tu t'engages, toi. T'es sérieux, tu vas pas bouger? Oh l'enfoiré! Oh le feu! Oh le feu! Bon, eux, ils sont morts. Ça va. Ah, ça fait chier, je suis trop loin. Si... Elle est mal placée en fait. Faudrait pas qu'il lui arrive malheur à l'allée là. Ouais, faudrait pas qu'il lui arrive malheur. De toute façon, on va aller aider très vite parce que là, il n'y a plus qu'un mec à tuer en fait. Voilà, très bien. Ah, le cheval, il risque de prendre cher. Oh, aïe aïe. Je peux plus me déplacer. Yes, nickel. Oh, tu as brûlé. Je crois. Faut sauver le cheval et l'aller. S'enlève le feu. Très bien. Ah,
Faut une armure sur le cheval, faut vraiment une armure. Toi, toi tu vas vraiment vite mourir. Adieu. Voilà, fallait pas nous faire chier. Oh la vache, qu'est-ce que c'est violent. Attends, le retire lorsque l'unité se déplace par l'effet d'une compétence. Ah, se déplace par l'effet d'une compétence, d'accord. Tout ce qui est déplacement par compétence, ça fonctionne. Attends, on peut peut-être sauver. On peut peut-être faire un truc là. Ok, on peut. Donc. Ça. Très bien, et ça. Ah, comme ça, elle se prendra moins de dégâts. Ok, solitude est revenue. Ok, très bien. Mal. On va l'aider. Voilà, un petit dégât. T'es bien positionné, j'avoue que. J'avoue que tu t'es bien positionné. J'aime bien quand la musique change en fait, parce qu'on a pas, on a passé un palier. Donc du coup ça change. C'est à notre tour de gagner en fait. Faut vraiment qu'on le stoppe. Oui. Oula. What? Ah, on n'est pas engagé du coup. Oh mon dieu, ok. Je comprends pas ce que, comment ça marche, l'angle là. Après c'est peut-être comme nous, genre on peut engager si c'est solo. Mais si c'est plusieurs cibles en fait, c'est pas considéré comme engagé. Donc du coup ça veut dire qu'on peut vraiment partir. Même, même si on est dans la zone, je crois que c'est ça. Tout simplement que ça, c'est ça. Provocation. Allô. Qui voulait le capturer. Oh.
Oh la vache! C'est une arme à deux mains, ça? Hache à une main. Ok. Alors, niveau 3, puissance du pouvoir avantage, nouvelle mission. Être portant le sceau de la fraternité, vous êtes parvenu. Un commanditaire vous attend. Ok. Alors, fais voir un peu. La hache à une main. Force. Ah, il peut pas équiper les haches. Bon, tout ce qui est hache, une main ou deux mains, ça doit être bah, la brute, je crois. D'accord. Ouais. Bon, par contre, ça m'embête, hein. Vraiment, le coup de l'armure là. Ou qu'à chaque fois, le jeu te force à en utiliser plusieurs, alors que, bon, moi, je voudrais juste en utiliser qu'un seul. Même ça, je peux pas. Est-ce que je peux le drag comme ça? Non. Si je fais clic droit, ça ferait partout. Bon, en tout cas, y a du minerai. Bien. Apprenti. Nickel. Ouh, 12 minerais de fer. 37, c'est bien ça. C'est pas fini. Quatorze. Ça tue. Je crois qu'il n'y a rien d'autre sorti. Ouais, non, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, il faudrait continuer ce chemin en fait. Genre comme ça. Ouais. De toute façon, on a de la nourriture. Par contre, un jour et 23 h, ça va. Centre d'entraînement de la fraternité. Vas-y, fais voir. Bonjour, bonjour. Alors, si l'un de vos gars est un poids mort pour son équipe, il ne faut pas hésiter à le faire changer de spécialité ou lui apprendre de nouvelles compétences. On peut vous y aider, moyennement finance. Respécialisation, 500, putain, c'est cher. Alors, on va ouvrir une feuille de personnage, compétences à améliorer. Visée, course, premier soin, provocation, courroux. C'est quoi alors? Visée, gagne habilité. Portée les prochaines attaques doublées, précision améliorée. Se désengage, se déplace en ligne droite jusqu'à 5 mètres entre les unités. Premier soin, soigne du poids. Oui, ça, on connaît. Okay, ça marche. Tu fais voir, c'est quoi améliorer? Inventaire. Ok, on a rien à améliorer. Ok. Sympathique. Il faut faire attention, ben je pense.
bois. Oula. Oh la meute de loups quoi. Oh. Il y en a combien? Je crois qu'il y a deux gros. Et ouais, il doit y avoir deux alphas ou des trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Sûrement deux gros alphas et après des petits. On peut essayer de les faire hein, après s'être. Est-ce qu'on a du danger? 10% de danger. Est-ce qu'on peut se reculer un peu? Je crois que c'est eux qui doivent nous mettre en danger. Quasiment certain que c'est eux. Yes. Alors est-ce qu'on a assez de bois? Non. On peut faire un coffre de camp par contre. Si on commence un peu à voler les choses, on peut mettre les choses dans un coffre. Ça paraît pas mal. Nickel. Alors, voleur assigné, brandir un petit objet, stocké. Oui. Ah, il faut assigner un voleur. Ok. Ok, alors fais voir, attends. On va mettre ça. Pas mal comme ça. C'est pas mal comme camp, non? Ça a de la gueule, ça commence à avoir de la gueule. Il aime bien le feu au final, l'ours. Ah non, on va peut-être pas le mettre. Il défend le camp. Voilà, c'est pas mal comme ça, il défend. Est-ce qu'il est à côté, il est considéré à côté de l'ours? Je sais pas, comme ça. Voilà. On va en mettre plus, comme ça. Okay. Alors, carte grillée. Toi, t'as fait tout ce qu'on pouvait. Ça fait quoi d'assigner quelqu'un? Activer encore blanchir, petit à petit, les objets stockés, volés pendant les repas, les repos. On n'a pas vraiment besoin, en fait, d'assigner quelqu'un maintenant. Parce qu'on n'a rien, en fait, de volé. Donc, on peut le remettre là, quoi. Bon, est-ce qu'on répare les armures? On a 9. Parce que les loups, ils font un peu peur. On devrait être bon comme ça. Moi j'ai peur, c'est pour la paye par contre. Parce que là on n'a pas la paye, on n'a pas la prochaine paye en fait. Ça m'inquiète. On a mis. Non. Ah, maintenant il faut deux de viande, deux carnivores, parce qu'il y a ça aussi qui est carnivore. La lait dominante, elle est carnivore. Ok. Parfait. Ah. Encore Kirik, je me suis fait
Je me suis fait mercenaire pour voir du pays et tuer des bandits, pas pour casser des cailloux ou faire la cuisine. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette compagnie, quoi? Se féliciter d'avoir un avenir aussi prometteur. En tant que mineur, 64 d'expérience, c'est pas mal ça. Rappeler le groupe à quel point il est un être exceptionnel. Faire une démonstration de ses talents au groupe. Se réjouir. Je vais voir. Oh la vache, qu'est-ce que c'est loin. C'est beaucoup d'expérience qu'il faut après. Hein. C'est énormément d'expérience. À la limite, faire la démonstration des talents en groupe, comme ça on gagne de l'influence. Parce que l'influence est quand même vachement utile. Hein. Ouais, c'est pas mal là. Ok, on est parti. On est parti. Bon, on peut se faire les loups. On peut se faire les loups. Je voudrais faire les loups, mais je voudrais les prendre à revers en fait. Par contre, moi c'est un jour. Là, on doit faire quoi? On doit perdre des brigands. Ou alors on esquive les loups, mais on fait les brigands, comme ça. Ouais, comme ça, on peut rentrer en fait. Ouais, d'accord. Putain. On les a pas eus. Ils étaient un peu en plein milieu du chemin. C'est quand qu'on les a pas eu plus tôt en fait, on aurait pu les manger. Ah, j'ai peut-être fait de la merde là, je sais pas. De toute façon, on n'aura pas assez de cordes là pour attraper tout. Il y en a deux là. Oh la bouche, bougez pas. Trois ici, c'est des normaux. 3, 4, 5. Pourquoi il y en a 11? 3, 4, 5. Là. Où est le reste? Ils sont cachés? Je crois qu'ils doivent être cachés. Ou alors c'est des renforts, ou j'en sais rien. C'est bizarre. On va se mettre là. Je crois que ça doit cacher en fait. Y a pas un système de cache-cache? J'ai été stoppé. Il y a bien un système de cache-cache. Manqué? Ah oui, ça cache en fait.
m'embête tout ça. Toi t'es engagé, de toute façon tu pourras pas bouger. Ça m'embête que l'allée soit engagée en fait. Oh la vache, je fais mal. Tu fais mal. Ça va être un peu compliqué. Je sais pas si on va pouvoir en fait faire ça plus les bandits. Ça m'emmerde un peu. Il faut qu'on lui augmente le mouvement à lui. Quand même très mal. Hein. Très bien. Ah, je suis pas très très... Je suis engagé en fait. Opportuniste, Kirik. Toujours Kirik qui débloque des choses bien, quoi. C'est abusé. On peut faire ça. C'est pas mal. Oh mon dieu!
peux pas. Non. Non, on peut pas, apparemment. Attends, pour soigner la jument, on fait comment là? Va se mettre là. Oh, c'est compliqué tout ça. Caillou pile devant, quoi. Je peux peut-être pas besoin. Là, je peux pas me déplacer en fait. Pourquoi ça lag comme ça? C'est où? Je crois que c'est pas optimisé leur truc. Là, il y a les carrés qui s'entrelacent, qui devraient pas en fait. Il y a un problème avec le brouillard en fait. Assommer, décide de la corde. Non, 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 non. Enfin, dans un sens, on peut faire oui et le manger pour plus tard ou je sais pas trop quoi là. Je sais pas. 62%. Du coup, ça compte comme une attaque, ça marche. Recamper et manger, honnêtement. Très bien. Provocation, il est supporté. Nickel. L'ours, pardon, il est encerclé. Vas-y, défonce-moi tout ça. Vas-y, vas-y. Mange, mange-les. Très bien. Ok, on progresse. Faut quand même beaucoup de coups hein, pour les tuer, les machins. Hein. C'est vraiment pas de la merde à chaque fois. Il va falloir qu'on l'aide l'ours. Genre, vite. Ça. Oh là là.
peux utiliser la charge pour partir, mais bon, est-ce que ça va vraiment être utile? J'en sais rien. J'aime pas trop ce qui se passe en fait. On a aidé en fait. Bon, je pense pas qu'on va perdre qui que ce soit, mais. On va dire que c'est pas le la meilleure bataille là qu'on est. Ça. Faut que j'avance tout le monde, ça c'est un peu la merde par contre. Ça va, ça se passe. Ça se passe, c'est un peu. Ça va, le saignement. A fini la bestiole. C'est pas la meilleure chose, mais ça se passe. On va avoir beaucoup à réparer et tout, ça c'est chiant quoi. Doucement le cheval, t'es pas invincible. Toi t'es trop loin pour faire quoi que ce soit. C'est lui. ...19 de vie. Par contre, le cheval me fait un peu chier, en fait. On va se mettre là pour éviter qu'il avance. Oh merde, je vais la désengager. On fait pas full dégâts. Je veux pas que le cheval se fasse attaquer en fait.
Ah, non, lui aussi va faire du crit. Si jamais le truc a encore envie. Alors, toi. Magnifique. Magnifique. Putain. Ah mais on va devoir se reposer une nouvelle fois. Toi tu devrais le tuer avec un crit. J'ai pas besoin de tirer. J'ai pas besoin d'utiliser un point non plus, je pense. Voilà, 17. Crit automatique. Très bien. Où tu vas, toi? Oh, quel con! J'ai cru qu'ils étaient en caché. Oh là là. Désolé. Désolé. Bon là par contre on a des problèmes de placement. On va se mettre là, comme ça on bloque lui. Elle bloque le passage de tout le monde en fait. Seize d'HP, pardon. Ça va être chaud. Voir un peu. Capturer encore, ok. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Je sais pas, on fait des tests. On fait des tests. C'est des tests de capturer des bestiaux. Non, non, toi tu restes loin de tout. Tu restes loin du combat. Piège. Nickel. On va lui faire une blague.
blague s'appelle Attention quand t'es repoussé. Voilà, tu vois. C'est pas mal, hein? Pas mal comme stratégie. On est trop lourd, ah non. Donc le camp de brigands. Je crois qu'on va devoir camper ici. Attends, mais si on campe à côté du camp de brigands, c'est dangereux. On est d'accord? Ah, moyen, 20%. En fait, ça va. J'aimerais bien voir comment ça marche. Si on se fait attaquer. Après, dans l'instant, j'ai pas envie de me faire attaquer. Bon, fais voir les poneys là. Les poneys sangliers. Les gars, prochain attaque en 50%. Je crois qu'un animal allié meurt. Ok, il a ça. Et après, ils ont juste des dégâts. Donc, c'est 4 de consommation. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est. Alors, sanglier d'élevage. Ah, d'accord, j'ai capté maintenant la description en fait. Donc nous on a L. Au niveau 8, on pourra la mettre en élevage, mais on va pas le faire. Mais non, on va pas on va la garder elle, parce qu'elle elle est bien en fait, elle est puissante. Elle est puissante et tout ça. Faire des coups critiques, honnêtement, tout le temps, c'est bien. Enfin, c'est bien. Honnêtement, à chaque fois, elle se. J'avoue qu'en pratique, au final, c'est pas trop ça. Parce qu'elle est souvent en train de foncer, en fait, sur l'ennemi et de se. Mais bon. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ça c'est bien. Et après, on a deux sangliers. Rapide, végétarien. Doit consommer des fruits ou légumes à chaque repas pour être satisfait. Ok. Rapide et costaud. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Bon compagnon d'unité peut être assigné au feu de camp. Transport. Sanglier truffier. Ouais, le truffier, on va le mettre à L, je crois. D'élevage ou truffier. Ouais, là c'est l'un ou l'autre, c'est du passif pour le monde en fait, c'est pas pour le combat. Alors que là on doit choisir en fait. Ouais, non mais on va en faire des cochons, des sangliers d'élevage en fait. Et du coup, on peut les abattre pour la viande et mange les restes et réduit sa consommation de nourriture de 2. Donc du coup, au lieu de 4, elle va consommer 2. Donc ouais, on a dû des sangliers, on les garde avec nous, on les fait combattre et tout ça, mais on les garde pour les bouffer en fait. C'est pas mal ça. Là, c'est intéressant ça. Je trouve le système vraiment pas mal. Bon, dégâts réduits de moitié, c'est chiant. Très très intelligent en fait d'avoir fait ça. Il faut quand même les nourrir, mais on les nourrit beaucoup moins. Donc ça c'est bien. Très bien. Le poney aussi s'est fait défoncer. Alors, on va rien leur mettre sur eux par contre. L'ours aussi, il a pris cher. Et bon.
Après, ils ont l'air pas mal bourrins, les autres. Mais donc, bon, ça devrait aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du porc grillé. Nickel. Toi, t'as rien à faire. Crochet. 9 hameçons, 11 crochets. Faire des torches encore, ça sert à rien. Après, si on a vraiment besoin de poids, on peut faire deux fontes en plus et les mettre sur les... Ouais, du coup, on peut avoir des sangliers, en fait, pour la viande. Pour le viande combat, en fait, ils vont aider pour le combat aussi. Mais on les garde surtout pour la viande. On peut leur mettre des pochettes, en fait, pour qu'ils portent plus. Ah, c'est vachement bien, ce système. Hein. Vachement intelligent, honnêtement. Je suis assez surpris. Vraiment cool. Sinon... Qu'est-ce que... Ah, manger, putain, oui. Manger, et eh oui, évidemment. Okay. Donc il faut végétarien et deux viandes, d'accord, ça marche. Donc on a ça. Ah oui, toutes les carcasses. Qu'est-ce qu'il fait de... Ok. Est-ce que ça passe? Vous avez 114 de soldats versés, ça marche. Ok, c'est parti. Repère des brigands. Alors, un repère, un lieu infesté d'ennemis. Plus il y a de crânes actifs, plus il est dangereux. Pour réduire le nombre d'ennemis du repère, cherchez des groupes avec un crâne dans la région éliminée. Facilitera votre attaque finale. Ah, ok. Trois crânes, un crâne. D'accord. Attends, il y a trois truands. Ça fait sept personnes. D'accord, donc ça marche comme ça avec le système de crâne. On l'a fait ou pas? C'est en niveau 4 hein, quand même. Ça devrait aller. Par contre, il va falloir vite rentrer parce que les autres ils veulent qu'on soit payé là. Ils veulent être payés. C'est encore le même système, donc poison, poison, lâche, critique, lâche, critique, archer, poison, archer. Ça va. En plein milieu. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Cheval en arrière. Enfin, le cheval, on va le mettre là. Sanglier. Sanglier. Ok. Provoque.
Charge. Taper. Ça, lui, il a le debuff. Protection. Let's go. Très bien. 4. C'est un critique. Ça pourrait être dangereux. C'est bien en fait de mettre Mila à moi. Seconde ligne, ok. Très bien. Faire gaffe à lui là, il va faire chier sûrement. La belle brochette. Ah putain, j'avais ça, chier. Peut-être en finir. C'est pas mal là. C'est pour un tour. Non, ça c'est la prochaine attaque en fait. Ah, j'aurais dû rester à côté de... Je sens qu'il y a un des sangliers qui risque de mourir. Non, on va faire ça. Ah, mon cheval, bordel. Plante-toi, plante-toi. Putain de merde. Oh là là. C'est pas mal. Oh,
lui fait des slashs. Ah, j'aurais pu galvaniser. Ah là là! J'ai oublié. Je voulais le faire, mais j'ai oublié. Pas mal, pas mal, il s'est bien placé. Nickel, des chaînes. C'est un peu chaud, hein. Les deux archers là, ils vont nous faire chier. Oh, les deux, cool. Pas le sanglier, est-ce que tu fais un peu... Ok, c'est ton tour. Allez Will, fais une brochette. Nickel. Je vais garder le sanglier en fait en vie. Comment on va faire ça? Yes, parfait. Comme ça, notre sanglier, il est encore en vie.
Parfait. On a encore un. Ouh. Toi, tu devrais mourir de... avec l'ours. Nickel. Donc fasse attention au saignement et tout ça quand même avec l'ours. Hein, parce que c'est vrai que vu qu'il a énormément d'HP, bah du coup oui ça fout la merde. Non, enfin ça fout la merde. Non, ça peut être dangereux quoi. Bon, ça va, c'est bien. Retour. Adieu. Oh. Merci beaucoup. Alors, inspecter le cadavre. Un corps gît dans le camp. Hacker reconnaît Ricky, son ancien compagnon qui l'avait trahi. Inventaire du sang. Tâche les lettres formant le nom Lund gravé à l'arrière du pantalon volonté plus 1. D'accord, donc Ricky s'est fait tuer. T'as intérêt à rester avec nous, Ricky. Hein. Oh, une nourriture 14, dégâts contre les animaux augmentés de 10%, dur jusqu'au prochain repos. Ça tue? C'est des sardines aux champignons. Couper du bois. Personne sait couper du bois. Ah! Couper du bois brut, évidemment. Parce que, ouais, maintenant, oui, maintenant je comprends. Parce qu'en fait, je crois que certains jobs, en fait, sont... par rapport au type de personne, je pense. Donc la brute, avec la hache, sélectionner un guerrier. Enfin, un guerrier, quoi. C'est les brutes, quoi, avec la hache. Ouais, je crois que c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Critique commande 10% lors d'une attaque dans le dos. Ouh, la vache. Tabouret de veille. On vous apprend à bricoler un tabouret de veille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dégâts critiques 15%. Nouveau bouclier, collier d'unité. Dégâts augmentés 10% des adjacents en allié au combat. Ok. Ah, il me faut vraiment une. Faut qu'on recrute une personne en plus, quoi. C'est ouf. Ah, python, ça c'est bien. Des draps. Marchandises. Ça va, on se refait un peu là avec, avec cet argent. Maintenant, faut rentrer. Il y a d'autres bandits, on va pas se les faire. Il y a d'autres bandits, on se les fait. On pourrait se les faire pour l'expérience, mais il faut qu'on rentre en fait. Et quand on combat, le temps passe aussi. Donc c'est un problème. Si le temps passait pas, ça irait, mais. Récupérer notre argent et tout.
Yes, nickel. Nickel. Après, on peut revenir hein, et tuer les bandits qui restent. Hein. Peut-être une solution aussi. Voilà, 260, très bien. Alors, on a toujours lui. Facile. Alors, l'augmentation récente des attaques de caravane est attribuée à l'escouade de liés d'Ianhild. Une prime est offerte à ceux qui s'occupent d'eux. Marche. Alors, on a 120. On gagnerait 25 de plus. On a 30 de plus. Ah! De la merde. 80% et ça a foiré quoi. Ah, je déteste ma vie. Alors, forgeron. Est-ce que tu peux nous réparer? Alors, attends, est-ce qu'on a eu des nouvelles armures? Tunique de hors-la-loi niveau 4. Oui, on a eu des nouvelles choses. Alors, attends, une seconde. Alors, là on a Légion, non. Alors ça c'est quoi? C'est armure, critique et mouvement. C'est tunique dehors la loi. Ça peut être pas mal pour lui. Critique plus 1, là il y a critique plus 2. Armure 22, là c'est armure 15. Pas mal, voilà, comme ça elle gagne du critique en plus. Critique 20%, très bien. Alors après on a. C'est quoi ça? Cet emplacement. Bon après on a des babioles. Alors dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat. Alors. Il y a lui. Lui il a en fait une arme de merde, c'est ça le problème. Fait pas de dégâts. Après il y a. Comment? Dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat. Toi, t'as quoi? T'as portée plus 1. C'est toi alors. Dégâts 10% si adjacent à un allié au combat. Non mais toi on te met en fait sur toi à la fin des tours. Toi par contre on essaie de bien te positionner à chaque fois. Donc toi tu prends de ça. Ah mais c'est accessoire d'animal. Oh. T'es un animal toi non? Bon bref. Donc là on a quoi comme bouclier? 12%, 6 d'armure. Ah tiens, ça c'est un niveau 3, c'est mieux. Targe d'entraînement renforcée. Ok cool. Alors est-ce qu'on garde le deuxième bouclier au cas où? Genre si on a on peut l'utiliser à quelque chose, je sais pas. Accessoire de ceinture, donc dégâts critiques 15%. Alors, 14% de critique, 7%. Toi. C'est toi, t'as 14% de faire du critique. L'autre, elle en a 20. Donc, et la volonté, on a le calmettre à lui. Qu'est-ce qu'on a? On a la hache à bois. Ça, je sais pas, marchand Patrick. Ça, c'est faut le vendre à un marchand, je crois, marchandise. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Mais c'est quelque chose de spécial aussi. Alors, bricoleur confirmé. Bricoleur confirmé. Nous, on est quoi? Nous, on est apprenti. D'accord, ça marche. On a quoi? Pierre à aiguiser. Critique augmentée de 10% lors d'une attaque dans le dos. Accessoire de ceinture. Hop. Et médaillon de Lucilla. Ah, c'est le médaillon de la fille qui a été tuée. Qui l'a tuée en fait.
Est-ce qu'on peut ramener le médaillon à la famille? C'est une bonne question, ça. Alors, très bien. Ok. Là, tu peux nous réparer. Voilà, 16. Nickel. Comment ça a été réparé? Voilà. Est-ce qu'on a des choses à forger? Alors, couteau de lancer, critique 3%, dégâts critiques 5% avec les haches, ou alors garde 5%. Faire des couteaux de lancer. On a déjà fait tout ça ou pas? Ah non, on l'a pas fait une fois. On peut faire les couteaux de lancer. X4. Forgeron apprenti. Très bien. Bon, là, il faut du bois, comme d'hab. Ah, on lutte avec notre bois de merde. Putain. Ah, ça rend fou, hein. Il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui coupe du bois. Ok, donc deux dagues. Il a un lancer de dagues maintenant. Et ça, et la dague lui confère critique 3%. Ça va, c'est cool. Ah ouais, non, on lutte. Hein. Il faut quelqu'un qui chope du bois, quoi. Passe du chop chop. Donc, production, marchand mistra. Est-ce que toi... Si vous toussez, vous achetez. On va devoir payer 114. Marchandises, 35 pour revendre. Et je crois que c'est 50, il faut juste trouver des marchands, je crois. Qualité de la laine important pour faire mon drap, la méthode de tissage qui détermine la valeur du marchand. Avec 200. 200, on a encore beaucoup de viande, c'est pas comme si c'était un problème. Bon, je pense qu'on devrait vendre. L'équipement supplémentaire. Pour l'animal. On a quoi là? Dégâts augmentés à 5%. Ah, on peut lui mettre l'autre collier. Dégâts augmentés à 10% si adjacent à un allié au combat. C'est souvent qu'elle se retrouve à côte à côte en fait. Donc à la limite, c'est peut-être mieux comme ça. Du coup, l'ours aussi, on pourrait enlever ça. Et... Hop. C'est vrai que j'avais ça, mais oui, on peut le changer. Parce que là, on en fait plutôt un combat, un ours de combat, quoi. Et là, les sangliers. Fais ça. Par contre, j'ai un problème. Parce que là, on va aller vendre. On va aller se soigner.
Mais je crois que du coup ils vont soigner tout le monde. Genre les sangliers, moi j'ai pas envie de les soigner. On va les manger. Vous voyez le problème? Moi, je veux bien me soigner mes copains, mais pas les sangliers. Cent vingt pour toutes les blessures. Ça fait ça de trop en fait. Alors après, est-ce qu'on mange les sangliers ou pas? Parce que, enfin, les sangliers, on n'a pas besoin de les manger maintenant. On a plein de nourriture. Je sais pas. Parce que les nourritures. Enfin, les tuer maintenant juste pour avoir de la nourriture. Ce serait pour éviter de payer les 120. Si on en tue un, parce qu'il y en a un qui est blessé deux fois en fait. Vous voyez, le problème c'est que là on paye pour des trucs qu'on va pas garder. Seul problème. Genre, celui-là il a deux blessures, donc j'imagine qu'on paye double. Ça c'est l'allée dominante. Et c'est le sanglier. Genre lui là. Exécuté. Bah comme ça on apprend, on voit ce que ça fait en fait. Alors toi. Pouvez-vous vraiment exécuter le sanglier? Oui. On a eu une carcasse et 8 graisses. Mais c'est de la merde. What? Enfin, peut-être que c'est cher. Enfin, peut-être que c'est utile la graisse. Enfin, à part faire des torches, je vois pas. Hein, pour le moment, mais bon. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Bricoleur confirmé. Bon, on n'est pas encore confirmé. On a le temps. Alors, nous, il nous faudrait du bois. Toujours. Et encore. Bon, pour le moment, toi, on te garde. Comme ça nous fait du transport. Par contre, maintenant, je veux voir le soin. 80, voilà. Donc, du coup, ça me demande. Je me demande, est-ce qu'on devrait pas tuer le dernier coup? Sanglier, comme ça on a, ça nous fait moins d'argent à dépenser. De 80, de 120 on est passé à 80. Donc ça serait 20 par 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça, c'est 20 pièces. Bon, après, c'est vrai d'avoir un sanglier en plus, enfin ça fait un ennemi en fait. Ça fait une cible, voilà, ça fait une cible dans le champ de bataille. Donc ça nous aide à combattre. On va le garder pour le moment. Je crois qu'on va le soigner. Parce que pour le moment, l'argent, ça peut aller.
Ça m'embête un peu quand même. Non, c'est bon, on va le garder. Après, on peut vendre d'autres choses. Très bien. Il va nous falloir de l'argent quand même. Alors, si je vois un marchand, j'essaye de vendre ce qu'on a là. Donc là, on a quoi? Facile. Ça, c'est quoi? Rendez-vous à taverne. Hein. On va d'abord faire ça. Ok, c'est par là. Fais voir les marchands là. Combien ils nous reprennent les draps? Et merde. Ok, ça fait deux fois. Ok, on a 200. Pas mal cette armure. Hein. Armure lourde. 31 d'armure. Putain, j'aimerais bien la prendre. J'aimerais bien la prendre, mais après on sera dans la merde. Après on sera complètement dans la merde. Bon, on va camper. Et on va manger. On n'a rien à... Merde. Attendez là. Non mais... Très bien. Là il nous reste 102. Ah, c'est l'autre, il est carnivore aussi, ça fait chier ça. Non, non, c'est elle qui... Non, je sais plus. C'est pas grave. Alors, on peut se permettre avec moins 1. Voilà, on va s'arrêter là. Faut qu'on fasse un peu attention à notre... à notre argent maintenant. Ouais, c'est l'argent qui commence à être un petit défaut. Bon sang, si on ne mange pas, je vais bouffer le poney, tant pis. On portera le barda sur notre dos et on abandonnera des trucs ici. Mais il faut que je mange. Tuer et manger le poney, non? Très comme un cheval. Ok, c'est sûr, c'est non. Pleurer, se rouler en boule et pleurer un bon coup. Boire pour oublier. Bière. What? Alors ça, c'est un peu con parce qu'en fait, ce que je fais... Ouais, c'est risqué. En fait, ce que je fais, c'est risqué. Parce que du coup, même si le bonheur, en fait, descend et monte, là, avec le plus 1, moins 1... Ils mangent pas assez, les gens. Ils mangent pas assez. Donc, du coup, ça peut déclencher des problèmes. Honnêtement, je suis un peu curieux de savoir, comme un cheval, ce que ça fait. Hein. Je suis sûr qu'elle peut porter plus, en fait. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de sacrifier un poney. Requiert de la bière. On en a de la bière.
Ah ben putain, quelle merde. Ah, on est tombé à 10, quoi. Chier! Ah, bon, bah, c'est bon, on apprend, quoi. C'est pas grave. Bravoure, 5 sur 9. C'est pas grave, on apprend. Donc, faut pas trop économiser. Enfin, on peut économiser de la viande, comme ce que je fais, mais c'est dangereux. C'est à double tranchant. C'est quand même à double tranchant. Là, on n'avait vraiment aucune bonne réponse, en fait. Là, il fallait... Ouf. Ouais, non. Je sais... Non. Bon, c'est comme ça. Après, on n'a pas perdu grand-chose. De toute façon, au prochain camp, on les récupère, hein, les 15 de bonheur. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!